Et bonjour à tous. Alors je sais que ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait du Witcher. On a fait pas mal de vélos depuis. Le but c'est de voir une petite reprise. Du coup je m'entends moi, mais je vois que dans le retour du stream, je n'ai rien. Voilà, parfait. Ok. On va rajouter la scène en entier. Voilà, et alors là, normalement, ça devrait être nickel. Ok. Ça m'est déjà arrivé de faire un stream en étant mute et c'est pas très 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 rigolo. Correctement. Vous voyez qu'on n'est jamais très loin du vélo. Et la dernière fois qu'on avait pu faire du cœur, c'était voilà assez longtemps. La sauvegarde date de fin août. Et on avait fini assez abruptement avec une synchronisation de la plateforme GOG, Galaxy Games. Et du coup, on avait mis fin aux quêtes dans lesquelles on était, alors qu'on était en train d'explorer Vizima, qui est toujours cloisonnée et soumise à la peur de la. Comment ça s'appelle? De la peste. Je réponds. Est-ce que je me rappelle de toutes les touches? Ça va être une bonne question. On pouvait changer le type de combat. Seulement qu'on était en combat, j'imagine. Something devoured my neighbor's husband last moon. Nobody takes on the monsters in this city. Écoute un peu de mon côté. Ok. Comme j'ai le retour et j'ai une micro-fraction, je voulais être sûr que vous ayez pas l'écho. Mais c'est pas grave si moi je l'ai. Il me semblait que même comme ça on pouvait prendre son épée. Alors tab c'était pour revenir. Ah eux c'était pour changer d'épée, mais apparemment quand je suis pas en combat je ne peux pas les sortir. Je voulais juste vérifier que je connaissais encore les touches. Et ensuite. Je vais regarder les touches dessus quand même ça. Sinon, commande. Peut-être que c'était pas de soucis. Donc dégainer à eux, ouais, pas de soucis non plus. Effectivement, ça ne fait pas. Toc. Et du coup, pour les signes, je vais appuyer sur les bons, mais ça ne prend pas. Donc, je peux pas les lancer comme ça dans la rue. Il n'y a pas de soucis. Et on va regarder. On a des quêtes. Quête active. Visuellement seulement les quêtes primaires et les quêtes secondaires, on affiche tout, mais je veux voir uniquement la quête que je suis en train de suivre. Chapitre 2. Ça c'est possible de la faire maintenant. La bête des égouts. Ça ok, il suffit juste de donner. Donc ça j'ai déjà fait, j'ai déjà été dans les égouts, j'ai déjà tué le Cocatrix. Il faut que je donne du coup la récompense à Vincent. Mais j'avais pas envie de m'aventurer dans le au niveau des gardes, etc. Parce que je voulais d'abord explorer la ville. Voilà, ça me paraissait beaucoup mieux. Hop. Oh, je viens. Oh, aïe. Derrière moi. Je viens pas juste d'enlever le point. Tout à fait. Donc, hop, on va y aller. Et on venait de faire aussi une partie d'une quête avec le banquier, Vivaldi.
Are you the one Siegfried spoke of? Siegfried, the knight from the sewers? It is you! That cockatrice troubled us for ages. I heard it was a hard fight. She was young and fell quickly. What's your business? What does the Order do in Vizima? We help fight the plague, keep the peace, and fight monsters. Plenty of work. We protect the people and bear the light of the eternally flaming rose. When did you join the Order? A while ago. My father was an armorer, and I after him. Will you sell me your wares? I only work for friends of the Order. Bye. Allez, salut. Greetings, sir. Et drôle de tête pour un marchand. You the smith's apprentice? Sir, I sweep up, fire the furnaces, run the shop. Can I have a look? Forgive me, sir, we sell only to the Order's friends and to the faithful. I've not heard of you. Farewell. Donc un accueil très commercial. Mother hates me speaking with strangers. Siegfried, donc Siegfried qui était celui avec qui on a fait le justement la quête du coquetrice dans les égouts. Vous vous rappelez, même si ça fait un peu de temps maintenant. Porte la rose ardente, le feu éternel est notre seul espoir, donc l'endoctrinement hein, par la rose ardente évidemment. Endossez l'armure argentée, battez-vous pour le bien et le salut de l'humanité. Nos membres jouissent de nombreux privilèges, dont les exonérations d'impôts, donc ça c'est quand même plutôt pas mal. Une part alléchante est bien saisie aux terroristes et aux ennemis de l'humanité, qui sont bien sûr désignés par l'ordre. Des absolutions gratuites par des prêtres de haut rang et des programmes d'entraînement. Siegfried qui fait « Hey, salut, tu m'as reconnu ?» Non, tu vois bien que je vois l'affiche, là. Geralt, I was wondering if you'd care to join the Order. Ça dépend. Before you say no, let me give you some details. All right. Allow me to draw your attention to a few important matters. Primo, the Order was created to serve humble folk. Secundo, anyone can join, peasant, nobleman, or witcher. Tertio, Knights of the Order enjoy many privileges. I've heard enough. A quarto. Knights of the Order pursue monsters. What do you think? C'est bon. No thanks. Voilà, donc le jeu nous a laissé évidemment beaucoup le choix. Mais bon, on a, de toute façon, on allait répondre pareil. C'est vraiment pas dans l'esprit de Geralt d'aller commencer à appartenir à l'ordre. Ah, c'est l'armure. Siegfried spoke of you. Ouais, en bien ou en mal. Siegfried spoke of you. We give our lives to the Order. Ce qui était assez rigolo, c'est que tout à l'heure, le gros marchand, c'est aussi un skin qui a été utilisé par plusieurs autres personnages déjà d'ici. C'est depuis. Donc il faut que j'aille juste derrière moi, il y a une porte. S'il faut passer par l'extérieur, est-ce qu'il y a une porte ici qui nous permet de faire le tour? Ça c'est la suite de la réclame. Fiche publicitaire, Bibervel des filles, atelier de confection, écharpe mitaine, robe de mariée, retouche de pantalon. Déjà... The town cemetery. The dead and undead await behind that gate. Plenty of work for a witcher. Will it be pine or oak, perhaps? An entire crypt? Let's see. Five L's wide. I don't need a coffin. I don't intend to die anytime soon. Makes sense. Maybe we can do business. What business? A partnership. With those swords, you doubtless lop off a few heads occasionally. When you dispatch another soul, let me know, and you'll earn a share from the coffin. Stop fooling. I need something else. What do you need? Why is the cemetery shut?
because the dead refuse to rest in peace. Fear not, they stay in their graves in sunlight. Someone should tend to them, though. Perhaps someone will offer a reward, but for now, no one seems bothered. Tell me something else. What do you need? Why is the cemetery shut? Because the dead refuse to rest in... Fear not! I'll deal with it when you agree to pay me. For now, farewell. Think putting a dead body to rest is easy? Do what you will. Perhaps the watch captain will reward you. Won't hurt to check. What do you need? Farewell. Peut-être qu'on aura une quête du coup pour venir dégommer. Alors, je sais pas ce qu'elle est, ce genre de bestiole qui vient hanter les. Le cimetière. Et... juste qu'il était plus ailleurs. Et donc, fausse route. Quoique, fausse route, non, je peux peut-être sortir par là et faire le tour aussi par ici. Je sais pas si ça vaut la peine d'essayer. Je peux même pas sortir. Moi j'avais mis une commande à l'époque d'ailleurs quand on l'avait lancé. Donc là c'est le premier des trois. Et voilà. Il me semble que dans la commande. Ah oui, c'est vrai qu'on peut pas sauter. Il va falloir faire le tour. C'est incroyable. The Zima boasts a bad neighborhood. Ah, je suis jamais venu ici. Mauvais quartier. Et effectivement, donc, bah, déjà je savais à l'époque que ça allait être très long de faire les 3 Witcher d'affilée. Et c'était juste pour avoir la date, donc j'avais lancé ça le 9 juillet. I was beautiful in my youth. Gagné. Are you lost? Who lives here? Don't answer a question with a question. Let me rephrase. Some nerve. This is Ramsmeet's house, and he never spoke of a visiting mutant, so scram. Bon, eux savent que je suis un mutant, alors que les elfes dans toute la ville, depuis le début, ils pensent que je suis un humain. Looks like I have to deal with these idiots. Salut, il y a du loot? Oui, qui sont pas habitués. Ah, salut. Alors pour l'instant ils sont neutres, hein, parce que le cercle est bleu en dessous de chez eux. Mais peut-être que si je commence à me servir, ça peut changer. Looking for adventure? Eyeing those wenches on the corner. If I only had the coin. You know they raise their prices again. Can you believe women calling the shots? The chief looks after them, so we suffer them. Somebody was calling you down from one of those dark alleys. Damn, these humans hire me. Screw co-op existence! Rich boy. Be like Shane. Mal de bouffe là-dedans, c'est très 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 bien. Quelques combats qui m'ont surpris à quel point je pouvais se faire défoncer. Pour l'instant, je suis capable de tout porter sans souci, donc ça c'est parfait. Je pose pas la question de quoi choisir par rapport à quoi. Et j'ai même une sortie ici à l'arrière qui va m'amener dans la bonne rue, si je dis pas de bêtises. The city guards avoid us, but who will protect us? Eh, du coup, c'est pour ça que je pensais avoir déjà avoir l'impression d'avoir déjà parlé au Fossoyeur. C'est parce que le même skin qui est utilisé sur d'autres personnages. Got coin for a brew? Which one? Peut-être me rappelle quelqu'un dans la vraie vie. C'est à la taverne du coup que je dois aller. À la taverne. Who's there?
Just a witcher. Just? Geralt, greetings. What happened? A show of force. They smashed a window and packed three bolts in Coleman's gut. Used dispersive bolt heads, a Havkar speciality, and highly illegal. Who killed him? Damn Scoia'tael. Now folk will call him a good man, saying how he helped old ladies. I sense a pogrom approaching. The damn shits threw up a list of enemies, and they've begun eliminating them without regard for the consequences. Why Coleman? Anger? Revenge? Some elven youth probably overdosed. A note on one of the bolts read, White Death Trader. He was selling Fistech to kids. Cheaper than anyone else. And you know how addictive it is. I'm surprised they acted in town. They feel strong now they've got arms. Some fool did business with them. I suspect Harren Brog. What terrible times. Fragmenting tip. Enters the stomach as one, exits the back as three, mincing the internal organs. Hawker's specialty. Useless against armored soldiers, the tips burst on the surface of even the lightest armor. They're used to kill civilians, for show, as a cruel warning. I know where the weapons that killed Coleman came from. I need to avoid those situations, remain neutral, not get involved. Cette petite cutscene. Et Zoltan, donc voilà, Zoltan Chivai, qui est là, c'est un nain qui. Un pote nain, qui n'est pas du tout dans le même délire de, on va dire, ségrégation des races, etc. Et qu'on retrouve dans les différents Witchers. Et je trouve que vraiment, il fait son apparition. His last foe's nose was a bloody pulp. What? Le vendeur est mort. Quoi, bon, pourtant, on l'a tué. Tuer un peuple, ils n'ont même pas pris la peine de d'enlever le corps. Et le fistec, c'est la drogue juste dans. De crack de, du Witcher. Je pensais que le mec qui vendait de steak aux enfants, et à pas cher, et dérouillé. Je ne vois pas bouger sur la carte en haut. Où suis-je? Où vais-je? Dans quelle étagère? Attendez, je dois ramener quoi à qui? On est en train de faire là. Attendez, je rêve ou. Comment ça s'appelait? Ça s'appelait le paquet ou... Je peux afficher les quêtes terminées. La quête ça serait terminée et que j'ai pas fait gaffe. Un peu dommage. Vite. Quête. Afficher uniquement les quêtes actives. Ça serait terminé. Est-ce que je vois le paquet? Pourquoi échouer? Un paquet avec des mots à remettre à un ennemi Coleman. On pose autre question. Certes, mais le gars est mort. Du coup, pourquoi c'est écrit échoué? Du coup, je fais quoi du paquet? Non, là dans le sens, ce qui me perturbe, c'est que je sais pas si j'ai échoué la mission parce que j'ai mis trop de temps à y aller. Ou est-ce que c'était censé échouer parce que le gars est mort, mais du coup c'est un échoué, un faux échoué. J'ai un peu la manie de vouloir finir absolument les quêtes et donc ça me trigger un peu d'avoir une croix ici de... pour avoir échoué. Bon, on va prendre une autre quête, ce n'est pas grave. Oui, je dois récupérer mes affaires, tout à fait, donc C'est vrai que je dois aller récupérer mes affaires.
Là où ce sera le problème de devoir sélectionner entre ce que je veux garder ou pas. The one dwarf owned bank remaining will doubtless close. I saw a Fontes. Swell on one of lights. Geralt, it's been ages. I couldn't believe Zoltan when he said you'd returned. It's me, Munro. Exiles, the war, you, Zoltan, and I helped them. You must remember. Pardon, j'étais en train d'éternuer. How's life? Can't complain, I have a nice slow job as a bouncer. That's slow? The guests settle things between themselves, it's a quiet place. Birds don't ever shit in their own nests. Anyone play dice here? I play professionally, I'd say. Care for a game? Sure, we'll see if there's truth to the rumors about you. Whenever. Even now. I'll find you later. Regardez, parce que j'ai pas envie de me faire plumer. How are things, Geralt? Petite mise. Le but c'est de gagner, hein, surtout. Pas forcément intérêt à faire de l'argent. Alors, on avait dit du coup de lancer les dés. Les dés, je veux bien, mais je me rappelle plus comment se poser pour lancer les dés. Je suis aveugle. Triple 6. Ah bah parfait ça. Où est-ce que je le défonce largement? Ah, vas-y. Hein. Il a décidé de give up, pas de soucis. Une paire, oh, pas de top. Faut pas qu'il y ait de série, j'ai pas de suite en fait dans ce jeu. Ah si, il y a une suite. Une suite au 6. Ah ça, ok. Donc ça existe. Parfait. 5, 4, 3, 2. 5, 4, 3, 2. Donc en fait, moi j'y suis prêt. Donc. Du coup, ça me sert à rien de miser plus cher. Je peux essayer de relancer celui-là et mon seul espoir c'est d'égaliser, c'est-à-dire de faire un 3 pour moi aussi avoir 2, 3, 4, 6. On veut un 3. Perdu. Ça se jouera sur la belle. Attends, vrai ou. Attends, le mec avait une suite. Pourquoi est-ce qu'il a relancé? Il me défonçait littéralement. J'avais rien. Trop compris l'IA là. Mais bon, il a gagné de toute façon, mais et donc ça se joue sur une belle, full chance. Ah, une paire, c'est nul. Paire de 6. Il a un triple 6, il a un chat mal barré. Donc j'ai pas intérêt à miser. Sûr, il va falloir que je choisisse. Bien sûr, hein. On va essayer de chatter. 1 ou 2, 6. Deux paires, un, prenant. Normalement, il me défonce. Et oui. Pas grave. Pas grave, monsieur. On va rejouer. How are things, Geralt? Un peu le Gwen du pauvre, du coup, une double paire, ça on est content. J'ai fait une double paire aussi. Que, il a des meilleures paires que moi, d'ailleurs. Content avec double paire, on va juste relancer. Et on va relancer en espérant faire un full. Donc un 2 ou un 3, ça serait parfait. Et voilà. Ça, on est content. Et lui, il va faire pareil, à mon avis, il va relancer le 2 et il va essayer de sortir un 1 ou un 4. Voilà, donc je le défonce, deux paires contre full. On passe à la manche d'après, on relance les dés. On va faire un peu plus de chance cette fois-ci que la fois d'avant. Alors on a juste une paire de 6. 3, 4, 5, 6.
En face, il a quoi? Il a une paire, une paire. Bon, on est content là. On va même essayer de lui grappiller un peu d'argent. On va essayer d'améliorer une paire de 6. Il y a un 6 dans le dos, évidemment non. Donc là, il a énormément de chance de m'avoir. Il a double paire, donc c'est perdu. Et ça va se jouer de nouveau sur une belle. Plus cage, évident. Il a de nouveau qu'une paire. Sur le 6. Et en face, il a une paire aussi. Paire de 6. On va essayer de le faire coucher. Non, il n'a pas voulu. Et parfait. L'argent qui me reste, j'ai vraiment intérêt à chatter, sinon il va falloir relancer la partie. Brelant, ça c'est déjà moitié bien. Dommage que les autres choses n'aient rien donné. Non, il fait full, mais tu te moques de qui là? Il a fait. Non, mais sérieusement, il a relancé 3D. Il y en a un qui lui a donné le brelant qu'il voulait et l'autre a fait une paire, donc ça a fait full. Moi je dis trucage, on va voir. Une chose, est-ce que c'est full truqué? Est-ce que c'est gagnable ou pas? Comment ça, j'ai une mauvaise foi? Oui, complètement. Tout ce loot qui m'a servi à accumuler un peu d'argent ne doit pas partir comme ça en une partie. Ne misez que ce que vous êtes prêt à perdre. Grâce aux sauvegardes, on est prêt à perdre beaucoup sur une partie si on peut recharger. Mais dans la vraie vie, ne misez que ce que vous êtes prêt à perdre. Très important. En tout cas, à chaque fois, ça démarre à peu près bien. Le but, c'est de charger la mule, évidemment, au début. Et... Dès qu'on a un petit peu de vent, de lui mettre la pression en disant bon, t'es sûr, bah vas-y, pareil, et plus. Là, j'ai double paire, donc paire de 2, paire de 3. Bon, lui en face, il n'a absolument rien. À chaque fois, ça commence pareil. J'arrive à gagner la première manche, et puis après ça, il me rattrape. Magnifique, une suite. Là, s'il se couche. Et parfait, voilà. Donc en fait, c'était pas du tout truqué. On pouvait gagner. Le truc, c'est magnifique en plus, c'est qu'on a fait deux gros tirages. Du coup, on a gagné énormément d'argent. Ça va, pas trop véreux. Donc là, on sauvegarde. Parce qu'on a une raclure de bidets et qu'on est très content d'avoir gagné de l'argent. How are things, Geralt? As-tu faire une petite partie de dés? Moi, ça me va. Hein. I'll find you later. Je ne partirai pas d'ici tant que j'aurai pas 3000 euros. Ah, il y a le boucanier aussi dans la pièce d'à côté. Qu'est-ce que je pouvais choper à un moment donné? Une. Ici. Pas comme si on avait pas entendu commentaire et l'audio derrière nous. Le lait de vache et la poupée en sucre. La poupée en sucre, c'est peut-être mieux que certains trucs que je trimballe et qui valent pas grand-chose. Ok, voilà. On va dire lâcher. Yes. Exhausted. What? You an experienced fist fighter? Smacked a few. Why? I defeated Fat Fred, so I'm looking for another opponent. You take issue with fat folk? No. You fighting or are you running home to mama? What's the wager? 75 arons. I'm in. Vas-y, je vais te défoncer. I'm seeing double. I win. Choose. 2 bottles of Mandrake Cordial, a golden necklace, or 150 orans. Très bonne question. J'hésite entre l'or et le collier. The necklace. Here. Alors là,
Alors la question c'est, est-ce que j'ai récupéré le collier ou est-ce que j'ai juste pas la place de l'inventaire pour le récupérer? Le collier, ben ça va être mis où? Vous voyez, vous pouvez me le dire. Eh, boîte à dés. Pèse, cœur, pas mal. Nous, boîte de dés. C'est fier, mon pote. Pas de soucis. Je suis aveugle ou je ne suis pas aveugle? Un châle rouge. Absolument pas. Je ne vois pas. Je dois être aveugle. Je dis pas que. Who wants to get slapped? My head. I raised the mob and I missed. What a beating, stranger. We fight for money. No way, not me. Vas-y, vas-y. What a beating, stranger. We fight for money. Et si pauvre que ça, en fait. No way, not. Ah pardon. Okay. What a beating, stranger. We fight for money. No way, not. Ah. What a beating, stranger. We'll see. Hit me, chicky. J'y vais en bruit de force. I'm betting on the boxer. He's a strong bastard. His last foe's nose was a bloody pulp. Okay. Le temps de me rappeler des touches aussi. J'aime bien cette animation qui fait un peu comme John Cena. Toujours au ralenti et tout. Bon, on a compris, c'est gagné. You win, Wanderer. Take your coin and leave me be. Coriaces, ils sont tous coriaces. Non, il y a aussi il y a ton cousin là. Eh ben très bien. No challengers. Dis-moi. Who wants to get slapped? Non, je veux pas. Je veux pas. Du coup, il reste les deux coriaces et lui. Wanna be? Parfait ça. Un poil plus riche que ton cousin. Là. No way. Ah bon? Wanna be? I'll kick your ass and make money doing it. We'll see. Hit me, chicky! Hit me, chicky! Il arrive quand même de temps en temps à me toucher, même quand on prend la garde. Petit lancer de fleurs virtuel à la fin. Hein. You win. C'est tout ça, c'est mauvais perdant. No challengers. Oh, mais your mother sucks dwarf cock. Greetings, Whitey. Got money? Wanna fight? Drôle de dégaine, lui. Voilà. Ah, aura, moi, ça va. Should be in it. Bring it on. Bring it on. On se part une garde. I mentioned to it someone. Hop, loupé. Et voilà, c'était perfect. Coup dodge. En fait, ça va même plus vite que de brute force. Le temps, il n'y a pas le temps de recovery, on se fait toucher. On ne fera pas de commentaires sur ce geste de Geralt
La fin du combat. You're not bad. It's no shame losing to the white-haired one. Join us. Depends on what's to drink and with whom. I'm not just anyone. I'm Yamo Rye Boozer. That's Temerian Rye Vodka on the table. I'll have some of that. Thanks. One whore has syphilis. Shut your trap! Pas la poussière qu'il y a dans le coin, hein. Hello, fancy a meal? Or have you another reason for coming? What other reason? There's a comfortable bed out back. What'll it be? Anything interesting happening here? Boys fight each other. Some wager on the outcome. Sometimes they beat up visitors. Altogether boring. Au revoir, madame. Bye. C'est pas le genre de la maison, nous sommes un proche chevalier. En stream. I respect those who take risks. You make ends meet gambling? Depends who you play and where. Where is it worth playing? If your pouch be full, the wealthy part of town. Here, you're more apt to get stabbed than walk away rich. Take care. Ok. Toi aussi, tu fais partie des gens que je peux... challenger pour la mission. De gagner. Double paire. Paire contre double paire. Donc pour l'instant, plus gagne. Je m'en fiche. Bon, on va juste relancer. Ça joue purement sur la chance. Ne pas me planter, c'est celui que je vais planter. On doit faire un full, donc on veut un 1 ou un 6. On serait très content. Et on n'est pas content. Du coup, le bon, c'est est-ce que lui. Ah. Lui, il a mal joué. Il s'est dit, je vais faire un brûlant. C'est pas si bête en fait que le calcul. Donc, double paire de nouveau. Ça n'est pas si mal. Contre une seule paire. On va essayer de le faire coucher direct et de gagner. Non, il veut pas. Donc on va relancer celle qui ne forme pas la double paire. On va faire un full. On fait un full, il a même pas besoin de relancer les dés. Ah ben c'est dommage, on ne fait pas de full. Et donc là il va tout relancer, est-ce qu'on fait 1? Non, voilà, c'est ça, il va essayer de faire un brelant. Il l'a fait. Et donc il va se jouer à la belle. Is ok. Donc là on a notre petite paire de 2. Deux paires. On m'embête. Ok. Bah, du coup on va faire sa strat en fait. C'est-à-dire que je vais essayer de faire un brelant. Donc il y a un 2 qui sort dans un des 3D. Et c'est perdu. Super. Ouais, il a même pas besoin de relancer, c'est bon, c'est gagné. Hein. On va faire ça plus beau en faisant un machin de faire un. Je veux gagner contre toi. Salut. Ça prendra le temps qu'il faudra. Je ne partirai pas d'ici sans avoir gagné contre toi. De toute façon, le mec en face dans l'établissement qui m'a à peu près donné le peut faire des parties illimitées. Deux paires contre une paire. Derrière, d'argent on s'en fiche, hein. Comme tout à l'heure, le but c'est juste de gagner. Voilà, très bien ça, on fait un brelant. Là. Il est obligé de rejouer. Oh, mais il fait un full. 2-2-2. Ok.
C'est à peu près les mêmes valeurs, les mêmes hauteurs que au poker. Du coup. Ben, ils appellent ça le poker. Hein. Ils le jouent avec des dés et pas avec des cartes. Donc deux paires, on est content. Exprès de midi cher pour voir essayer de faire coucher. Il ne veut pas. Le 4 ne sert à rien. On va essayer de faire un full. Donc un 1 ou un 2, ça nous ferait un full. Évidemment, on n'y arrive pas. On reste avec notre petit paire. Puis il relance tout, il veut un 5. Il le touche. On est battu. Merci beaucoup. C'est super. Je vous ai dit, hein, ça prendra le temps que ça prendra, mais je partirai pas tant qu'on n'aura pas gagné. Et à chaque fois ça commence bien en plus, c'est ça le pire, c'est que là on commence avec une double paire, on est content. En face il nous fait un brelan déjà, donc il nous casse les pieds. Là pour l'instant il est devant. Et bon, allez, on va lancer ça, on a quand même une chance sur 3 de faire un full. On ne fait pas évidemment, ça fait 3 fois d'affilée. Il y a eu 3 fois d'affilée qu'on a une chance sur 3, donc là on a quand même moins de chance que la normale. Il pouvait ne pas lancer, hein. Il avait gagné déjà un bon tirage. Double paire. Allez, fais-moi rêver. Double paire contre une paire. Non, il veut. Ok. Mais il a raison, hein. Il a full shot depuis le début. Il aurait tort de se priver. Oui, oui, oui. Oui, oh oui, ah, voilà, la foule, on a Simba, juste que c'est truqué. Et on lance, paf. On est plutôt pas mal, hein, je vous avoue. Et comme ça, il a fait un brûlant, hein, quand même. Il veut pas se coucher, hein. Ah, voilà. Et on est à peine positif. Je pense qu'on a, on a dû gagner. Faudrait que je regarde. Merci monsieur. La serveuse, il y en a qu'une. Elle, on a déjà parlé. Le chien. On ne pas. Mais non. Take it. Pas bien. Je voulais parler à ton voisin. T'as juste une trop grosse hitbox. Must kill for some fun. No, no missions for you. My legs just start dancing. I love this tune. Just listen. What are you looking at? What are you looking at? Donc le boucanier, c'est que je pouvais pas. Il y a un petit butin là par terre, hein. 350 orins, c'est pas mal ça. Hop, merci beaucoup. J'ai bien fait de le voir du coup ce petit. Il t'a au sol là. Ça va plus vite que de réussir des paris ou de faire des missions. Hein. Well, well. Swords on your back. White hair. You run away from a circus? No, still a member. But I hear they're looking for you. Sharp tongue. Good fella. What can I get you? What's with all this betting? Common folks' entertainment. Two toughs fight. We wager on who wins. What do those nuts get out of it? Gold. Spectators have a laugh while the boys let off steam. If something goes awry, the dogs get some supper. Non, ça ne m'intéresse pas, mais par contre, effectivement, si j'ai un gros problème de stockage de munitions et compagnie, c'est une bonne idée de venir déposer des choses. What you want, freak? I have some questions. You haven't the faintest idea who you're talking to, freak. One word, and before you count to three. You'll be facing a dozen hardened assassins. You'll be dead before you count to three. Well, the cub growls, but does it bite? I could use someone for wet work. I despise your kind. Contempt, wolf cub, is the privilege of the prudent. In all others, it's a sign of youth and ignorance. I piss on your juvenile scorn.
What do you want? How's things? Old whores have wings. Beat it, Witcher. Personnage donc très sympathique, qui est amical, comme vous voyez, d'après le petit cercle dessous. Il a un bon pote à nous. Hein. Et choisir la quête pour la prochaine fois. Et d'évasion, récupérer mes affaires, tout à fait, c'était celle-là qu'on suivait. Cette fois-ci, j'ai le petit point rouge. Je dois aller à la consigne, qui est là-bas chez les gardes. Donc il faut que je vienne dans le marché. Avancer un petit peu dans la ville. Et je verrai pour en faire la bonne partie. Damn, what a freak! Hop, Cidora. Looking for adventure? Should I mug someone? Par ici, dis-moi. Parfait. Youhou! Looking for adventure. Looking for adventure. Je vais mettre des malfrats de toutes sortes. Care to relax a little, je croyais que c'était un personnage, mais... Only a little. Depends. I'm open to suggestions. Let's talk. All right, we'll chat. But I'm counting on more. Surprise me. We know so little about love. It's like a pear, sweet and shapely. But try describing that shape without saying pear. I'm no poet, but I can tell a peach when I see one. A charmer? If this conversation carries on, I'll want some of that fruit. Any work for a witcher? Some men are troubling my girls. Take care of it and we'll compensate you. Generously. I'll see what I can do. Where can I find these men? There are three places they frequent at night. Mark them on my map. Parfait! Nous allons donc réussir à obtenir des cuisses brûlantes. Dis donc. Une rôtisserie de poulet, c'est ça? Avec du poulet par ici. Ça y est, d'avoir des choix a déjà commencé. On a dit que c'était... Alors elle flotte. Regardez. Je l'ai lâché par terre. Gérald qui s'amuse et qui l'a mis sur sa tête. Ouh, de la bidoche. Non, un châle. J'en ai déjà un. Qu'est-ce que j'ai? Ouais, ça c'est peut-être... Il y a moins de valeur qu'un chat. Jette, hop, les deux ourins, c'est parfait. Et quelque chose à l'étage. Oh, du miel. Tiens, j'aurais juré que ça se serait mis dans les réserves pour l'alchimie. Pas facile de savoir ce qu'il faut jeter et garder. Allez. Ouais. Ah, du coup. Qu'est-ce que j'ai? Il y a une porte ici à l'étage, je vais verrouiller. Et il y a donc une sortie aussi de ce côté-ci. Mènera nulle part. Je pense qu'on est pas mal. Je pense qu'on va s'arrêter ici pour ce stream. Merci de l'avoir suivi. Et on continuera soit ce soir, soit très prochainement. Donc à bientôt. Portez-vous bien, reposez-vous bien et restez curieux.